Salut tout le monde, Céline Makeup. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera un je réagis à vos préjugés. Je vous ai demandé avec le petit logo là, posez-moi des questions sur Instagram, en story Insta, de me proposer les préjugés que vous avez sur moi. Et je vais y répondre dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors en premier, on m'a dit t'es froide à l'école avec tes amis. Mais c'est vrai qu'on peut paraître que je suis vraiment hyper froide et tout, mais en fait non, pas du tout. C'est juste je suis froide avec les personnes que je connais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on est un peu tous pareils de toute façon. Mais je suis pas du tout froide avec mes amis, vraiment. Vous pourrez aller leur demander, pardon, sur Instagram ou quoi. Vraiment, je suis pas du tout froide avec mes amis. On m'a aussi dit, tu ne parles pas avec n'importe qui. Alors clairement, si. Enfin, en fait, ça dépend où. Parce que quand je suis au collège, je peux clairement parler avec la petite sixième. C'est vrai que dans la rue ou quoi, je vais pas aller taper la discute avec la caissière du coin, quoi. Enfin, vraiment, je suis pas du tout comme ça. Je trouve que tu es une fille qui a l'air sympa, qui se respecte beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est super mignon. Bah c'est vrai que je suis quand même, enfin c'est un peu narcissique ce que je peux dire, mais c'est vrai que je suis assez sympa. Quand je tiens vraiment beaucoup à quelqu'un, je veux vraiment tout faire pour qu'elle soit le mieux en fait avec moi. Souvent il y a des gens qui sont avec leurs potes et tout, mais genre elles sont vraiment en mode ouais tu pleures, bah écoute t'inquiète ça ira mieux. Moi je suis là genre je te fais un câlin, je te fais des papouilles. C'est vrai que je suis très sympa avec mes potes. Après avec les autres bah ça dépend, si tu me cherches bah forcément tu vas me trouver, mais bon c'est un peu pareil avec tout le monde quoi. Alors on m'a dit tu es hyper gâtée, bon c'est un peu la même chose que tu es hyper riche ou t'es riche. Là je vais répondre clairement, on n'est pas pauvre, on n'est pas riche. En fait on est vraiment au milieu des deux. On a certains avantages que d'autres n'ont pas, c'est comme ça, voilà, je n'y peux rien. Mes parents ont travaillé pour arriver à avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. J'ai toujours eu pratiquement tout ce que je voulais. On a toujours fait en sorte qu'on se débrouille, etc. Donc vraiment, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. On m'a aussi dit une fille qui a 16 de moyenne. Alors le pire c'est que là j'ai 16 de moyenne en fait. En gros dans notre collège, je sais pas si c'est comme ça partout, c'est pas par trimestre, c'est par relevé en fait. Enfin, il y a deux relevés dans un trimestre, on a fini pardon le relevé 3 et du coup bah ce relevé j'ai 16 de moyenne justement. Une fille timide au début et après folle, et bah c'est exactement ça. Si on me connaît pas, on pense que je suis hyper timide, je parle vraiment pas beaucoup et tout, et quand on me connaît vraiment bien, je peux vous dire que c'est absolument l'opposé de ça. Hautaine, alors ça on me le dit mais tellement souvent que je suis hautaine, alors que tellement pas. C'est pas parce que je tiens mon sac à main comme ça et que j'ai la démarche de la meuf à la Fashion Week que je suis hyper hautaine. Bon ça du coup c'est sympa. La première fois que j'ai vu tes vidéos, tu avais la hautaine prétentieuse, mais en fait je te kiffe. Big bisous on you. Bon, j'ai déjà répondu aux hautaines prétentieuses, c'est un peu la même chose quoi. Et tu n'aimes pas du tout les mom fit. Alors ça, je n'ai pas compris ce préjugé là. Alors qu'en fait si, c'est clairement un de mes jeans préférés. En fait, j'en ai un et vraiment je l'adore ce jean parce qu'il est pas trop moulant. Il va avec pas mal de choses. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup les mom fit. Ensuite on m'a dit j'ai l'impression que tu veux grandir trop vite. Sors chez toi, regarde les 5e, 4e et dis-moi après 6 mois. Je veux grandir trop vite. On me dit aussi que je ressemble à une post-bad. Elle m'a dit je sais pas si c'est un préjugé. Moi je pense pas. Non je me décrirais pas comme ça parce que c'est pas tellement le style de personne que je veux donner de moi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi. L'image que je veux donner de moi voilà. Et après on me dit une fille parfaite. Enfin entre guillemets une fille parfaite parce que tu es grave belle. Bah merci beaucoup. Mais après en fait c'est souvent l'apparence qui donne cette impression là. Donc en fait j'ai quand même encore pas mal de complexes sur moi. Je pense que tu es une personne qui ne se prend pas la tête. Bah c'est vrai que maintenant je me prends vachement moins la tête qu'avant, même si je me la prends toujours un peu. Avant c'est vrai je me méfiais vachement du regard des autres, je voulais absolument paraître vraiment la fille parfaite aux yeux de tout le monde, alors que là maintenant je suis en mode c'est bon je vais au collège et dans 5-6 mois je suis plus là. Vraiment je m'en fous maintenant de ce que vous pensez de moi. Quand vous pensez que je suis une chouin de luxe, bah pensez que je suis une chouin de luxe. Si vous pensez que je vis dans une grotte, bah pensez que je vis dans une grotte. Mais voilà vraiment bah j'en ai plus rien à faire de ce que les gens pensent de moi maintenant. En fait je trouve que maintenant les gens se mêlent vraiment trop de la vie des autres. Et ça c'est vraiment un truc qui m'énerve de ouf, de ouf, de ouf. Genre tout le temps les gens ils veulent fouer leur vieux nez dans vos affaires alors qu'en fait ça les regarde absolument pas. Genre en mode ah ouais c'est vrai t'as fait ça, c'est vrai t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ci. Alors qu'en fait c'est absolument pas ta vie. Narcissique mais t'es jolie en même temps.
non, bah merci déjà. Mais non, c'est vrai, je suis pas du tout narcissique. Bon, c'est vrai que des fois on peut penser que je suis narcissique. Enfin, je me trouve pas non plus hyper belle. En fait, ça dépend des moments. Genre là par exemple, vous voyez, je me trouve beau, ça va. En même temps, c'est le but du maquillage quoi. Si je me maquillerais pas, ça voudrait dire que je me trouve belle au naturel. Mais bon, voilà, moi j'aime bien me maquiller pour me sentir plus jolie, plus à l'aise avec mon corps et tout, moins complexée d'ailleurs. Quelquefois, tu fais des gestes un peu prétentieux, mais ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. Et moi, je suis tout le temps en train de faire ça comme ça. Genre en mode ouais, j'écoute pas les rageux. Bon, c'est vrai, j'écoute pas trop les rageux. C'est vrai, je me touche tout le temps les cheveux. Genre, j'ai tout le temps gestes, pardon, prétentieux. Genre en mode ouais, comme ça. Ah, le dernier, c'est t'es riche. On dirait, bref, bisous, continue comme ça. Bah, merci. Mais non, bon, je crois que j'ai fait le tour. Bon bah voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Vous étiez pas mal à participer, mais vous avez souvent dit en fait la même chose. Donc voilà, je pouvais pas non plus répondre à tout le monde. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous pouvez liker, commenter, me donner des idées de vidéos en commentaire. Je vous le dis à chaque fois, mais bon voilà. Si vous avez des idées, bah écrivez-les moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, on est les 5700, donc ça c'est vraiment cool. Je vous aime très très fort, ne l'oubliez surtout pas. Et bah moi je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.